Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude chaque jeudi. Les ouvertures des récompenses, Rivals et récompenses fut champion, bien sûr, à la base. Donc j'ai encore fini hors 3, malheureusement, j'ai craqué. Il me restait 5 matchs, j'en ai perdu 4 d'affilée. J'aurais pu faire largement hors 2, voire hors 1 si je me concentrais un peu plus. Après, j'ai pas une toque d'équipe et un toque de niveau, mais. Pourquoi pas un jour arriver à faire or 1, ce serait déjà bien pour avoir de meilleures récompenses. Déjà, on va aller voir l'équipe de la semaine. Donc, elle est pas extraordinaire, mais il y a 2-3 trucs qui m'intéressent. Bon, déjà, Lionel Messi, hein, la basse, si je l'ai, c'est incroyable. J'attends que lui dans mon équipe. Il est le bienvenu. Ensuite, le deuxième qui m'intéresse, c'est Fernandes, qui est déjà extraordinaire en normal, mais alors en bouge, j'imagine même pas. Regardez-moi ses stats. Et enfin, bien sûr, Konaté, qui rentre parfaitement dans mon équipe, qui ferait le lien parfait avec Mukele version Rules Breaker, je crois que c'est. Donc ouais, il a de très très grosses stats lui aussi. Juste une carte ombre pour bien améliorer la défense et la vitesse, et c'est nickel. Donc on va pas perdre plus de temps, juste pour les récompenses Rivals, je vais prendre les crédits cette fois-ci. Parce que j'en ai vraiment besoin pour m'acheter Gomez, donc désolé pour ça, mais on a quand même les récompenses fut champion avec deux packs où c'est qu'on a les joueurs rouges, hein, donc on verra ce qu'on va avoir dedans. Ok, les 45 000 crédits. Ça c'est fait. Voilà, on arrive à 100 000 crédits. Et maintenant, on va s'ouvrir les récompenses fut champion. Or 3. Voilà, deux choix joueurs éléments spéciaux, un pack joueur rare et deux packs méga et 30 000 crédits. Donc, vous connaissez. Allez, on va direct commencer, les gars. Si j'ai Messi, Konaté ou Fernandez, je suis affolé. 3, 2, 1. Ok. Ça s'annonce très très bien là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va l'avoir. Je sais même pas lequel prendre. Ah. On peut même pas voir les stats, ok. On va prendre Alsoma. Allez, le deuxième. C'est parti. Putain, mais c'est bien nul. On va prendre Carlos Soler. Après, fallait s'y attendre. C'est mérité pour hors 3, mais bon. J'espère qu'on va avoir du lourd. On va commencer voilà, avec un pack méga. Après, on s'ouvre le pack joueur. Allez, c'est parti. Le pack méga. Oula. Xavi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pourri, hein. Ok, premier pack assez moyen. On va s'ouvrir le second. On va réouvrir le pack méga parce que j'ai l'impression que c'est moins bon que le pack joueur rare. C'est parti. Allez, allez. Ah, c'est nul. Putain. Areola, mes frères. Je fais 29 matchs pour ça. Ok, bon, on a 10 000 crédits, mais de vente rapide, 141 000 crédits. Dernier pack. Pack joueur rare. Allez, quitter, on revient. C'est parti. Je crois que c'est autant nul, hein. Ah non, c'est bleu. Ouais, mais ça va, ça va. Ah non, fond. Brésil. DC. Thiago Silva? Non, ben non, Marquinhos, je suis con. Marquinhos. Thiago Silva, même s'il jouerait encore à Paris, ça aurait pas pu être possible, il est boost. Ok, ben on aura deux joueurs bleus, mais bon, je pense pas que ça se vende très cher, hein, Marquis. Bon, un petit peu. Ok, ben pour les packs, c'était assez moyen, les gars. Heureusement que j'ai pris les 45 000 crédits pour les Rivals, parce que. On n'a pas eu grand chose, on s'est fait 50 000 crédits, mais
de vente rapide. Donc j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Je vais essayer d'accrocher au moins le hors 2, si c'est possible. Un peu dégoûté des récompenses, mais bon, c'est le jeu. On retentera la semaine prochaine. En tout cas, dites-moi en commentaire vous qui vous avez eu. J'espère vous pas créer tous mes filles, si possible. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.